Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la fonction ENA. ENA, alors ENA, c'est une erreur très commune d'Excel hein, qui veut souvent dire qu'une valeur a été recherchée et n'a pas été retrouvée. Et du coup, ENA, c'est la fonction qui va nous dire vrai dans le cas où effectivement il y a une erreur ENA, comme ici, ou faux dans le cas contraire. Donc, en termes de structure, c'est très simple, il suffit juste de lui indiquer la valeur qui nous intéresse. Dans notre cas, c'est celui-ci, c'est la note 1 qui va nous dire si l'étudiant existe ou pas, réellement. Et là, il nous dit vrai, il y a une erreur au niveau de l'étudiante. Et donc là, si je change et que je mets un étudiant qui existe, et bien là, il va dire faux, ce n'est plus l'erreur ENA. Voilà donc pour la fonction ENA. On se retrouve sur une autre vidéo pour une autre fonction ou un outil d'Excel.